Au niveau freinage, on est passé sur du Golf 2 G60, donc on est sur des disques de 280, donc plus grands. Ventilé, rainuré, percé, enfin pointé. Tout le freinage est passé en Golf 2 G60, comme ça on va pouvoir absorber la puissance moteur. Bon alors écoutez, vous venez de voir un peu les coulisses du tournage de Direct Auto sur, eh bien, là se termine cette Golf GTI pour le Tour de France. Alors elle est équipée en conie au niveau des suspensions, la voiture a été réassemblée ici à Argenteuil au Garac, l'école nationale des métiers de l'automobile. Alors rendez-vous eh bien mardi 31 août pour le départ depuis le Grand Palais éphémère pour 2300 km de course. Et franchement on n'est pas peu fiers de la lignée parce que ça fait plus de 30 ans qu'il n'y a pas eu une Golf GTI qui roule le Tour de France, donc on a beaucoup de chance et surtout elle est dans sa teinte d'origine rouge marine.